Radio Gana Swinda, bonjour! Eh bien, bonjour, il fait une journée splendide, l'eau est à moins 3 degrés. On attend la neige pour cet après-midi, si vous vous baignez, couvrez-vous bien! Bonne journée! Madame.
ne savons plus qu'ils vont tenter de passer dans le Il faudrait aller couper la musique, non? Ouais, je crois que ça va être possible. Ah ben, moi, je pense que ça va être possible. Cette fois, ils ne savent plus. Ils vont tenter de passer en force. On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Ah, c'est ça. Donc je suis. On est tous hommes. Expliquez pourquoi. On est tous hommes. Il y a le homosexuel et il y a le homo. Parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans ma glace. Pourquoi? Pour avoir un beau corps. Okay. Alors on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux. Ouais. Alors j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo? C'est pas un problème, non, futur rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. La drogue, évidemment, j'en ai pris. Très évidemment. C'est pas évident, mais j'en ai pris. Et ça m'a rendu un peu foufou, parce que le corps humain n'est pas fait pour la drogue. D'abord, c'était super, j'ai cru, c'était une illusion. Et grâce au sport, j'ai pu m'en sortir. Et grâce à Dieu. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime bien des nains qui savent bien peindre. Donc, j'aime les gens. Tous les matins, je donne une expression. Que la France entière maintenant, depuis cette émission, se répète, qui est être aware. Aware. Et tous les matins, Ça, c'est très spirituel. Mais tu sais que tous les matins, tous les gens qui passent dans mon émission, je leur dis alors, vous êtes aware? Ils disent, je suis aware. Ça veut dire quoi, aware? Je sais pas. Eh ben, j'explique. Toi qui l'as dit, mais je ne sais pas. Ah, oui. Ok, alors, bien sûr. J'explique. Bon, entre toi et moi, par exemple, on a un produit qui s'appelle, une molécule qui s'appelle l'oxygène, le CO2. Hein? Alors, si tu fais ça, tu vis, tu respires. Maintenant, si je tue l'oxygène comme sur la lune, tu meurs. Ton corps est fait de cellules comme le réplicant, et ça, ils vont à une certaine vitesse. Mm-hmm. Plus vite que l'oxygène. C'est pour ça que ma main peut passer entre toi et moi, comme ça, je la coupe comme du beurre. Maintenant, pour aller dans ton corps, il faut, excuse-moi, prendre un couteau ou une seringue pour passer la masse molécule, la flèche, Et toutes ces masses moléculaires, comme derrière toi, il y a le ciment, c'est du neutron et du proton, ça va encore beaucoup plus vite que ton corps. Donc, nous, on a inventé le temps. Mais le temps n'existe pas. Le temps, pour l'oxygène, peut-être qu'une seconde, c'est 10 secondes. Et pour le ciment, une seconde, c'est un millième de seconde. Puisqu'il y a une vitesse et une matter, une puissance de compression qui est différente entre chaque species on Earth. Including l'eau, le poisson, même E.T. dans une autre... Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est aware, comme une plante qui n'a pas d'œil et pas d'oreille, elle sent les vibrations. Parce que le monde est fait de flèches, de molécules et d'électricité, comme le Big Bang. Et ça ensemble, ça fait l'univers. Et toutes les spécies du monde entier sont aware. Et l'être humain, il a tellement l'habitude de parler et de regarder. De temps en temps, les gens qui sont aveugles sont plus aware que les gens qui voient. Parce qu'ils sont obligés de sentir les sensations des gens qu'ils aiment pas, qu'ils aiment bien, les objets qui sont. Et on est aware. Sauf être aware, c'est on se protège. On se protège pour notre instinct, pour notre...